hide out in the trees with the bumblebees. Please say the name three times. We gon' pop up on you like I'm. Yup, c'est l'Oster 972. Oh, l'éclairage de merde. Bref, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Lesco, dans le ghetto, je le connais pas. Je crois que... Avec qui je confonds Lesco? Il y a pas un... Peut-être avec l'Oster. Non, en vrai, je crois que je confonds Lesco avec un mec... Il s'appelle comment? Le seul blanc qui était dans... Enfin, le seul blanc. Excusez-moi. Le mec qui était dans... Ouais, bah oui, non, faut dire les choses. Le blanc qui était dans la section d'assaut. Il s'appelait comment? Ou alors... Je sais pas. En tout cas, je confonds Lesco avec quelqu'un. Bref, on va voir ce que ça donne. Donc, Lesco, dont je ne sais pas qui c'est, comme dit précédemment. C'est un artiste du label Mams Record. Mams Record. Je sais pas ce que c'est. Non, je connais pas du tout de Mams Record. Alors après, au moins, il a un label. Donc, c'est déjà ça. Donc, au moins, il est quelque part, on va dire. Et ouais, donc, dans le ghetto, bon... Un truc qui s'appelle Dans le ghetto, je pense qu'on voit direct ce que ça va être. Mais let's go, on va voir ce que ça donne. En fait, je sais pas trop quoi dire dans le sens où je le connais pas spécialement. J'ai jamais entendu parler de lui ou autre. En fait, vous repérez quelqu'un qui est connu, pour moi, quand tu deviens connu, c'est à partir du moment où on entend parler de toi même si on veut pas. À partir de là, t'es connu. Si vraiment on te parle de quelqu'un et que toi tu connais pas du tout la personne, que tu t'intéresses pas du tout à son monde ni rien, là c'est que la personne est connue. Donc on va voir ce que ça donne. Golette. Là, on est dans un truc calme un peu. Enfin, ça va bien, genre là, y'a tout qui va en fait. Y'a pas d'autres sorties poteaux. Ouais, ma gueule, moi j'ai choisi le rap, donc je dois prendre ma feuille et puis gratter. Dans le ghetto, tout le monde veut sa part du gâteau. Ah ouais, y'a pas d'autres sorties poteaux. Ouais, ma gueule, moi j'ai choisi le rap, donc je dois prendre ma feuille et puis gratter. Moi, me teste les gros kippés, j'suis tellement fort qu'on me déteste comme les képis. Mon équipe change pas, elle est type. Et si tu nous testes à la fin, gros, tu perds. J'fais confiance qu'à ma famille, car si tout seul j'finis, y'a que sur eux que j'compte. Ouais, j'commence à capter la vie parce que la grosse grandit, ouais, je deviens grand. Non, j'ai pas peur de la mort, mais de finir en quatre murs. Eh ouais, négro, j'en ai marre, car j'veux des billets bleus, un peu comme la mer. Eh, faut brasser comme Nemo, pour être comme Neymar. Et pour bien faire ça, Nemo, faut être dans l'anonymat. Dans le ghetto, tout le monde fait sa part du gâteau. Bah ouais, c'est dommage car c'est nos vies qui deviennent gâtées. La vie grave, le foot et le rap, y'a pas d'autres sorties poteaux. Ouais, ma gueule, moi j'ai choisi le rap, donc je dois prendre ma feuille et puis gratter. Dans le ghetto, tout le monde fait sa part du gâteau. Bah ouais, c'est dommage car c'est nos vies qui deviennent gâtées. La vie grave, le foot et le rap, y'a pas d'autres sorties poteaux. Ouais, ma gueule, moi j'ai choisi le rap, donc je dois prendre ma feuille et puis gratter. Moi, dans le rap, je vais sépère. C'est que je suis fait pour. Je débarque dans le rap et puis je leur fais peur. Je regarde au loin et puis je vois qui court. Moi, je vais tous les épater. La concurrence, je vais l'agréer comme des batteurs. Ouais, je vais leur mettre la pâtée. Les étaler comme si c'était de la pâte. Non, non, y'a pas débat. Je baisse tous ma gueule même si c'est le début. Ouais, comme des arbres, gros, je les débite. Et je suis déjà en train de marquer des buts. En fait, je m'en fous d'être sous-côté. Tant que la mif et ma tête, ceux ils sont contents. En fait, je m'en fous d'être sous-côté. Tant que la mif et ma tête, ceux ils sont contents. Dans nos têtes, gros, tout est noir. Donc viens pas dire que tu vois la vie en rose. Pour l'instant, tout va bien, mon gars. Donc dans ma vie, je ne peux pas faire de pause. Bonjour, je suis un contrôleur. La concu, je viens la mettre à l'amende. Moi, je veux beaucoup de gens art. Pour en avoir plein, je dois faire kiffer tout le monde. Dans le ghetto, tout le monde fait sa part du gâteau. Bah ouais, c'est dommage car c'est nos vies qui deviennent gâtées. La vie grave, le foot et le rap, y'a pas d'autres sorties poteaux. Ouais, ma gueule, moi j'ai choisi le rap, donc je dois prendre ma feuille et puis gratter. Dans le ghetto, tout le monde fait sa part du gâteau. Bah ouais, c'est dommage car c'est nos vies qui deviennent gâtées. La vie grave, le foot et le rap, y'a pas d'autres sorties poteaux. Ouais, ma gueule, moi j'ai choisi le rap, donc je dois prendre ma feuille et puis gratter. Dans le ghetto, tout le monde fait sa part du gâteau. Bah ouais, c'est dommage car c'est nos vies qui deviennent gâtées. La vie grave, le foot et le rap, y'a pas d'autres sorties poteaux. Ouais, ma gueule, moi j'ai choisi le rap, donc je dois prendre ma feuille et puis gratter. Dans le ghetto, tout le monde fait sa part du gâteau. Bah ouais, c'est dommage car c'est nos vies qui deviennent gâtées. La vie grave, le foot et le rap, y'a pas d'autres sorties poteaux. Ouais, ma gueule, moi j'ai choisi le rap, donc je dois prendre ma feuille et puis gratter.
Eh ben franchement, alors pour son âge, il est carrément plus chaud que la plupart des youtubeurs de son âge en fait. Même ouais, à son âge il est beaucoup plus chaud. En fait, là clairement, tout passe. Clairement, genre tout passe. Après effectivement, dans le ghetto, bah tu t'attends à rien d'autre qu'un truc qui s'appelle dans le ghetto. Clairement, genre tu peux pas être plus étonné que ça. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que pour moi, un truc qui s'appelle dans le ghetto, je me dis vas-y, c'est bon, vas-y, fais ton truc et on s'en fout, tu vois. Genre, selon comment je bouge, la lumière, elle devient pas claire ou foncée. Enfin bref, je verrai ça pendant le montage de toute façon. Mais ouais, alors après, un truc que je pourrais lui reprocher peut-être, c'est que même dans ses lyrics et tout ça, il est arrogant. Et je mets ça dans les défauts. Parce que clairement, c'est... En fait, en tant que humain, en tant que toi-même, en tant que lui-même, je veux dire, je pense pas que ça va l'aider d'être aussi arrogant dans ses sons. Par contre, en tant qu'artiste, en tant que mec qui veut être rappeur, ça va l'aider parce que de toute façon, bah, tout le monde sait que quand t'es rappeur, si tu veux que ça fonctionne bien pour toi, faut que tu sois à un moment donné arrogant, que tu dises moi je nique tout le monde, je suis meilleur et tout ça. Donc forcément, faut que tu le dises ou je suis meilleur que lui, etc. Donc ouais. Après, en tant que personne, en tant que humain, en tant que toi-même, là c'est un peu plus chaud. Mais clairement, en tant qu'artiste, si tu veux être rappeur, en tout cas, ouais, faut le faire. Au bout d'un moment, t'es obligé d'être arrogant, quoi. Parce que c'est comme ça que ça marche, tout le monde le fait, etc. Donc ouais. Et en fait, ouais, ce qui est surprenant, c'est qu'il est bon. En fait, ce qui est surprenant, c'est pas que lui soit bon en tant que personne, c'est que dans ce qu'il fait, il est bon, en fait. Parce que vous prenez une personne de son âge, de la façon dont il a fait le clip, etc. Vous mettez un autre mec de son âge, je vous promets que ça va être une misère. Oh, ça va être une catastrophe, genre vraiment. Parce qu'à un moment donné, faut voir ceux qui sont vraiment bons et les différencier avec ceux qui sont bons parce que ce sont vos potes ou parce que vous les connaissez ou parce que vous les écoutez depuis un moment. Il y a des gens que vous pouvez très bien écouter depuis longtemps, mais qui sont pas bons, quoi. C'est possible, hein. Après, faut dire la vérité. Moi, de toute façon, dans cette chaîne, comme j'ai dit à la base, je suis un mec qui écoutait pas de rap français du tout, qui n'écoute toujours pas de rap français du tout. Donc j'ai forcément un avis neutre en fait. En fait, je connais le rap parce que forcément dans là où j'habite, là où j'ai grandi, etc., ben, il n'y a que ça. Mais en fait, je risque pas de dire lui est meilleur que lui parce que j'écoute lui avant ou parce que je le connaissais avant. C'est que ça soit lui ou un autre, dans les deux cas, vous allez pouvoir vous dire que les deux je les connaissais pas avant. Comme ça. C'était Losters. Ah là là. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez la neutralité. Mais du coup, les squats, je sais pas pourquoi ça me disait quelque chose parce que je l'ai jamais vu. C'était Losters. Tchuss. Hey, my credit card didn't go through. I'm ballin', I feel like I'm Goku. Hey, hey, yeah, come again.